Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement encore une fois aujourd'hui. Nous sommes encore dans notre rendez-vous de prière. Et comme j'avais dit, la semaine ici, c'est la semaine de prier pour les requêtes. Peut-être la semaine prochaine, on va voir une autre conduite de la part du Seigneur. Et je sais que ce moment de prière, c'est une bénédiction pour chacun de nous et chacun qui a la foi. Il vient de recevoir ce que le Seigneur est en train de faire. Et la requête, les requêtes sont en train d'être exaucées. Dieu est en train de travailler, de délivrer, de guérir, de libérer, de bénir et de soutenir. Ainsi, aujourd'hui, avant de commencer, je voulais simplement vous dire que si vous vous trouvez en écoutant ces prières, si tu te trouves dans la même situation, le Seigneur te touchera aussi au même moment, même si tu n'as pas écrit ta requête. Parce que chez le Seigneur, rien n'est impossible. Tout est possible. Tout est possible. Ainsi, béni soit notre Seigneur qui nous a donné encore cette journée. Je dis d'abord bonjour et bonsoir, bonne nuit, alléluia, peu importe. Je dis Boker Tov. Ayez une bonne journée de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse de Sion. Et que sa grâce remplisse vos cœurs de joie. Alléluia. Amen, amen, and amen. Ainsi, je voulais dire quelque chose à la parole du Seigneur avant que nous puissions commencer. Alléluia. Et je veux encore lire dans Psaume 23. Je voulais lire Psaume 23. On connaît tout cela, mais l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit à la santé de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu onduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Merci beaucoup. Nous commençons maintenant avec la requête de prière. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Ainsi, je commence par cette requête de prière. Prie pour mon père qui est au front là-bas, que le Seigneur puisse le protéger. Je pense que j'avais déjà prié pour cela. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. J'ai prié pour cette requête, pasteur. Je sollicite la prière pour ma santé qui me dérange. Amen. De fortes douleurs dans la hanche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois ta guérison et sois complètement guéri dans le nom béni du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le puissant vainqueur. Amen. Shalom, pasteur. Shalom, papa. Que le Tout-Puissant m'accorde la prospérité dans tout, surtout dans mes études, parce que j'ai repris cette année, donc je ne me plie échoué encore. Seigneur du Tout-Puissant, toi, le maître de l'intelligence, descends sur la scène. Et exauce la prière de ta fille en lui donnant l'intelligence qu'elle réussisse au nom puissant de Jésus-Christ, alors qu'elle a repris encore cette année, elle avait échoué. Laisse qu'elle réussisse et qu'elle avance victorieusement. Augmente l'intelligence, augmente l'intelligence, augmente l'intelligence pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen.
Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons prendre encore une autre personne. Amen. Gloire à Dieu. Et Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous avons la requête de prière et l'okomoko et bimelingana au Congo et corps étranger que le Seigneur fasse disparaître cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, étends ta main et fais l'opération et fais disparaître cette tumeur, ce kyste, cette tumeur maligne, ce kyste, n'importe quelle man chose que le diable a mis de ta fille. Je dis, va tomber les arides au nom de Jésus-Christ maître même. Seigneur, fais disparaître cette tumeur et guéris ta fille là où elle est maître même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer. Alléluia. Amen. Le frère demande la prière. Il dit, Shalom, Shalom papa, voici mes requêtes. Priez pour le monde, notre pays RDC, pour la fin des pandémies coronavirus-19. L'insécurité dans notre pays, notre province Ituri, réouverture des églises et la reprise de toutes les activités dans tous les secteurs. Nous voulons retrouver l'emploi qui peut durer longtemps afin de nous permettre à nous organiser voulons que Dieu ramène notre pasteur chez nous à Bounia dans les brefs délais et je crois qu'il fera nécessairement Shalom encore. Dieu Tout-Puissant, j'amène les requêtes de ton fils devant toi. Exauce ses prières. Exauce-les. Et au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il a demandé, qu'il reçoive en petit détail. Par le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Et Amen. Alléluia. Tu es exaucé, mon frère. Nous continuons. Alléluia. Il dit, Shalom, je demande la prière pour le démon de malaria et fièvre typhoïde et qui me tourmente. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es guéri. Il se dit, ma requête est que vous puissiez prier pour moi, que Dieu me donne la vie de prière, parce que je suis faible spirituellement, et aussi que Dieu délivre ma mère de l'ivrognerie. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, cette sœur a demandé la délivrance de sa mère de l'ivrognerie. Toi, esprit impie de l'ivrognerie, au nom de Jésus-Christ, de la mère de notre sœur et qu'elle cesse de boire l'alcool et que cela prenne fin au nom de Jésus-Christ. Va et entre en elle, Seigneur, qu'elle ait un dégoût total de l'alcool et qu'elle ne boive plus. Même si elle n'est pas chrétienne, mais qu'elle ne boit, puisse plus boire pour que sa fille puisse savoir que Dieu, Jésus, est capable de tout et il est vivant. Et Seigneur, redonne la force spirituelle à ta fille, la vie de prière, l'onction de la prière, réalimente-la, réalimente-la, réalimente son réservoir spirituel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Quand je marche dans la vallée, de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Le frère dit, Alléluia, je demande la stabilité de ma santé. Oui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois cela maintenant même là où tu es et que ta santé soit calme. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Il dit, j'ai vraiment besoin d'avoir une expérience avec Dieu, que je puisse sentir sa présence quand je prie. Parce que chaque fois que je prie, je ne sens pas vraiment être dans la présence du Seigneur. Je veux qu'il fasse sa volonté dans ma vie et qu'il me localise. Amen. Je crois qu'il va honorer la prière de son serviteur. Amen. Et qu'il pardonne aussi toutes mes erreurs que j'avais faites auparavant. Père céleste, je prie pour ta fille. Délivre-la de ses erreurs. Et pardonne ses erreurs, Seigneur. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'elle baigne dans ta présence. Et au nom béni de Jésus-Christ, quand elle prie, que ta présence descende, que ton onction descende, que tes bénédictions descendent autour d'elle,
pour l'amener dans les célestes au Christ, Père. Au nom béni de Jésus-Christ, ainsi je priais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Le frère demande, il dit, ma requête, c'est pour le déblocage financier, pour mon foyer. Je vais avoir mon titre de séjour car je vis de façon illégale dans le pays. Ok, il est en dehors de l'Afrique, donc il est quelque part, il est sans papier. Prions. Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton fils qui est sans papier. Il n'a pas de documents pour habiter dans le pays qu'il est là-bas. Mais Seigneur de gloire, Alléluia, tu es capable. Joseph habitait dans le pays qui n'était pas son pays, mais tu l'as rendu grand et ministre, premier ministre de Pharaon. Et au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ce frère qui habite loin de son pays natal, il a besoin de papiers, de documents. Alors, pour permettre de sa circulation de travail, et au nom de Jésus-Christ, que cela soit facilité et reçoit ce papier au nom puissant de Jésus-Christ. Et ne soit plus sans papier, maintenant que tu peux recevoir le document de résidence dans le pays où tu habites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Nous continuons la prière. Et gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous continuons avec la prière. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a une sœur aussi qui a écrit sa requête ici et dit, que le Seigneur me guérisse de la colonne vertébrale. Selon le scanner, le cinquième et le sixième vertèbre se sont détachés. Cela empêche les nerfs principaux de circuler normalement, ce qui me cause la vision floue. Et cela me fait très mal depuis 2016. Tu seras guéri aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Amen. J'ai vu beaucoup de gens être guéris de ce problème-là. Et les mêmes Seigneurs qui ont guéri ces gens-là, que cela soit en Inde, que cela soit à Bunia, que cela là où ils ont été guéris, les mêmes Dieu va te guérir encore une fois aujourd'hui. Je veux le baptême du Saint-Esprit et que je puisse marcher plus près de lui, avoir une vie de prière. Mon âge est très avancé. Que le Seigneur me donne le mariage avec un bon frère rempli du Saint-Esprit, un mari qui aura la crainte de Dieu. Que le lien de célibat endurci soit brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour la sœur. Père céleste, je prie pour la guérison de ma sœur. Elle a un problème de colonne vertébrale. Oh Seigneur, le cinquième et le sixième vertèbre sont détachés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Alléluia. Sa colonne vertébrale soit rétabli, tout le nom de Jésus-Christ soit guéri de ce problème. Terminé. Tu ne souffriras plus jamais. Là où tu es, qu'un choc électrique te touche. Je vois Dieu en train de travailler dans ton dos. Guéri au nom de Jésus-Christ. Et si quelqu'un avait le même problème, Seigneur, qu'il écouterait cette prière, qui sont aussi instantanément guéris au nom de Jésus-Christ. D'esprit impie, de célibat. Les hommes, les frères ne l'approchent pas pour demander au mariage. Tu l'as bloqué. Tomber les oreilles de nos Jésus-Christ. Seigneur, ouvre la voie pour la sœur. Et envoie-lui un fils de Dieu rempli de cet esprit, qui sera son mari, qui sera son roi et elle sera sa reine. Je prie également, Seigneur, en ce moment même, que tu la remplisses, Père Céleste, du feu du Saint-Esprit là où elle est. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi je prie. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, gloire à Dieu, Alléluia. Il y a aussi le frère qui a dit, et il demande à Dieu, la lecture de la parole et la retenir, il veut qu'elle puisse lire la parole de Dieu et de saisir ce qui se parle de la parole. Car chaque fois que je lis, j'oublie ce qui
j'oublie ça. Ce qui me dérange et ce qui me décourage à lire. Aussi, quand je vais lire la parole, je somnole. Que Dieu aide mon épouse pour la vie, que Dieu aide mon épouse pour la vie de prière. Que Dieu donne à mon épouse la vie de prière. Que Dieu me donne un bon travail sur place ici, à Bounia, avec un bon salaire pour que je puisse être stable et que je termine mes dettes et achever ma petite maison et mettre la clôture. Que Dieu me donne un bon moyen de déplacement car je me déplace toujours avec les taxis moto. Que Dieu bénisse aussi ma pharmacie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, tout ce que je lis, je ne peux pas te répéter parce que tes oreilles ne sont pas bouchées pour nous écouter. Tu as écouté la prière et les requêtes de ton fils. Et au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse recevoir en petit détail ce qu'il a demandé. Et que les démons de somnolence, de manque, de concentration, de ne pas retenir la parole qu'il lit, et le manque de prière de sa femme, blocage aux pharmacies, dehors la pharmacie, dehors au nom de Jésus-Christ, que sa pharmacie puisse commencer à fonctionner normalement et qu'il puisse avoir l'épanouissement, la prospérité, que la joie et la paix habitent dans ton foyer et qu'il puisse vivre en joie et dans la paix pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Encore. Requête de prière. Amen. Il dit, requête de prière. Je demande à Dieu de me bénir spirituellement et financièrement, car j'ai beaucoup de choses à faire, mais je suis bloqué. Seigneur, débloque ton fils et bénis-le financièrement et spirituellement pour la gloire de Dieu, qu'il voie ta visitation. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la sœur demande que Dieu puisse la donner du travail et qu'elle puisse la garder dans sa présence. Seigneur, tu as écouté, donne du travail à ta fille et garde-la dans ta présence. En environnant de l'onction de Dieu et de ta présence tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour qu'elle ne puisse pas être détourné par les diables, mais qu'il soit toujours bonne santé spirituelle et physique pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ainsi je prie. Amen et Amen. Amen. Du Seigneur qui partent au nom de Jésus-Christ. Je prie pour cette sœur qui a le VIH SIDA et elle veut être guérie complètement et confirmée par la médecine. Seigneur, chez toi, il n'y a pas d'incurable et la distance n'est pas une barrière. Localise cette sœur. Et au nom de Jésus-Christ, toi démon de VIH, sida, je t'ordonne. Laisse la fille de Dieu. Ton père au lieu aride, au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, quand elle va partir à l'hôpital pour faire le test, que ça puisse devenir négatif. Puissant de Jésus-Christ, car tu me donnes le pouvoir de guérir les incurables par le sang de Jésus-Christ qui était versé au calvaire, disant, par ce maître-ci, nous avons été guéris. Cette fille a été guérie au calvaire, finie le sida de ton sang. Et que ton mariage puisse avoir le succès, et que tu puisses voir la main du Seigneur, et qu'il te remplisse du feu du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oh Seigneur, merci. Amen. Il y a encore la prière ici. Pasteur Maombiangu, Iko Mungu, Asaidia, Unyumba yetu, Atupe, Salama, Umoja, Furaha, na tuendele, Kumuobeir, Tena, Anijaze, na Roho Mtakatifu, Mpia, Akuongeze, Jinsi, Uko, Naombea, Watu, Ye peke akubariki na kazi yenye huko nafanya. Pia asaidie Kongo yetu, atupe umoja na salama. Aksate. Je prie pour la sœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, tu connais toute langue. C'est toi qui as causé et embrouillé la langue là-bas à Babylone, à Babel. Ainsi, Seigneur Jésus, tu as écouté ce que la sœur a demandé. Et sur le puissant de Jésus-Christ,
Je dis au nom puissant de Jésus-Christ, que l'onction descende dans ton foyer, chasse les malentendus et les désaccords et les tiraillements entre toi et ton époux. Terminé au nom de Jésus-Christ. Que la paix soit, que la paix soit, que la paix soit, que la paix soit dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur exauce ta demande sur le pasteur qui prie pour les malades. Que lui-même soit fort, soit rempli et rerempli. Et toi aussi, sois rempli et rerempli au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Seigneur exauce tout ce qui t'a demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et aussi la sœur qui dit, j'ai aussi une chose qui me tourmente, une chose personnelle. J'ai besoin que Dieu m'aide à retrouver la solution qu'il me parle. Suis au bout. Sœur, si tu n'es même pas sincère pour écrire ta requête, il ne fallait même pas écrire. Parce que quand on va chez Dieu, on va sincèrement. Que le Seigneur t'assiste. Oh là là, merci beaucoup. La sœur, il dit, je demande la prière pour ma vie. Que Dieu me donne la force spirituelle et de me garder toujours dans ses messages. Et qu'il m'écarte du mal. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je prie pour ta fille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, garde-la du mal. Ne la laisse pas être traînée par le diable. Mais qu'elle ne puisse pas rétrograder, qu'elle reste dans la parole jusqu'à la fin. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. 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 La sœur dit qu'elle a besoin de son salut et salut de son âme. Et que son fiancé aussi trouve l'argent pour la dot avant la fin de cette année. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi. C'est toi qui connais toutes choses. C'est toi qui sondes le rein et le cœur. Alléluia. La fille demande, Seigneur, que tu fasses grâce. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses descendre, Seigneur, tu fais fort de son âme. Et donne-la le salut. Elle va être remplie de ta puissance. Qu'elle soit sauvée. Qu'elle soit sauvée. Et aussi que son fiancé puisse avoir l'argent doté avant la fin de cette année, Seigneur. Reçois cela, nom de Jésus-Christ. Je prie aussi pour celle qui a écrit ici. Elle cache son secret dans son cœur et ne veut pas que nous puissions savoir cela. Mais toi, tu connais le secret de cœur. Que tu puisses la surprendre. La surprendre, Seigneur. Et au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, et qu'elle puisse recevoir ce qui est caché dans son cœur et ce qu'elle ne veut pas que je sache. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi je prie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué à jamais. Amen. J'ai aussi encore ici un téléphone de prière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous n'allons pas vous gêner. Nous n'allons pas nous gêner de vous présenter nos requêtes qui sont, numéro 1, le chômage qui continue avec nous. Que Dieu pense à nous car nous sommes arrivés au bout. L'affermissement de notre foi afin que nous puissions toujours vivre la vie de Christ et le servir pour le reste de notre temps sur la terre. Père Céleste, je chasse les démons du chômage parce que c'est toi qui avais donné le travail à Adam en Éden quand il avait chassé. On lui disait son travail que tu mangeras. Mais voilà que le frère ne travaille pas. Il est en dehors de ta parole. Il est en dehors de ta volonté. Et le maître du chômage, c'est le diable. Toi, esprit impie de chômage, sors, parle de mon front de Jésus-Christ. Et Dieu donne un bon travail à mon frère afin de prendre soin de sa famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et bénis aussi la spiritualité de sa maison et pour lui-même et que tout le monde vive plus près de toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je pense que je vais déjà prier pour ça. Amen. Et la sœur, il y a encore ici la sœur qui est très loin là-bas en Europe. Elle demande la prière parce qu'elle va, elle veut terminer, mettre fin aux études. Elle doit présenter
son travail de faire l'étude aujourd'hui et il dit, elle est, que Dieu lui donne la sagesse comme elle a donné à Salomon. Et il dit que je crois à la prière que vous avez adressée. Ça, c'était pour la première prière. Maintenant, l'examen d'opposition commence à 50 minutes. Je crois à mon Dieu car il ne m'a jamais déçu. Le Dieu de Salomon est avec moi dans la salle, il soit avec moi dans la salle, alors que je prends contrôle de tout, esprit contraire à celui de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, laisse que tu puisses étendre ta main et manifeste-toi de manière puissante que ta fille puisse faire cet examen d'opposition, démontrer cela et qu'on puisse l'accorder, Seigneur Jésus-Christ, la réussite totale. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Et Amen. Alléluia. Il y a ici une sœur qui a écrit, demande de la prière. Demande de la prière parce qu'elle est devenue faible dans la prière. Et faible dans la prière, car les épreuves ne terminent pas dans son foyer. Et qu'il affaiblit, il n'arrive pas, il n'arrive pas, il arrive à dire que Dieu ne l'écoute pas. Et quand il, je t'encourage d'abord, quand il ne faut jamais penser comme ça à Dieu, quand il te nourrit de la négativité, c'est ce que le diable veut que tu fasses. Ne pense pas qu'en parlant comme ça, que tu vas convaincre Dieu. Non, tu ne peux pas convaincre Dieu avec les découragements, non. Moïse avait convaincu Dieu avec l'encouragement. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu détruis tous ces gens ici, hein, si tu les détruis tous, c'est là, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Les gens vont dire en Égypte que tu as fait chute de l'Égypte, mais tu as vu que tu étais fort contre l'Égyptien, mais faible devant les Amoriens, les Amalek, tout comme ça, tu les as détruits parce qu'ils étaient incapables de les amener à tes promises. Voilà pourquoi tu les as tués. Mais quand il a parlé comme ça, il a convaincu Dieu. Donc là, il ne faut pas dire, oh, moi je vois que Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'aime pas. Non, 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 ne faites pas cette erreur-là. Quand tu pars chez Dieu, va toujours, même s'il ne répond pas aujourd'hui, continue à dire que Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est capable. Je viens chez lui parce que je sais que lui, il est capable. Il va délivrer, il va libérer. Voilà. Il ne faut pas essayer de parler négativement pour montrer que ton cas est grave ou bien tu es. Non, tu peux dire que je suis fini et tu n'es jamais fini. Voilà. Donc, essayons de parler de langage négatif. Parlons positif. Néanmoins, je vais prier pour toi, ma sœur, que Dieu te délivre et qui. Parce que quand tu dis que Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'aime pas, ok, Dieu ne va pas t'écouter. Il faut toujours dire que Dieu m'écoute, mais en son temps, il va accomplir, il va travailler. Ok. Il dit qu'elle sème, mais les autres mangent. Et il y a de l'humiliation, manque de sincérité dans son mari, et il demande et que Dieu puisse la délivrer. Prions le Seigneur. Je ne peux pas tout lire parce que ce n'est pas vraiment constructif. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, esprit impie de découragement dans la sœur et les paroles négatives. Et les paroles négatives, qu'elle se nourrit de cela comme sa nourriture. Tiens, Satan, au nom de Jésus-Christ, il va tomber les arides au nom puissant de Jésus-Christ que moi je sers. Et aussi son mari qui n'est pas sincère envers elle. Son mari la trompe toujours. Au nom du Seigneur qui se dit, Satan, sors, pars, ce foyer, quitte ces gens, peu importe là où ils sont, qu'ils soient déliés au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je prie, Amen et Amen. Que ton foyer puisse avoir la paix et que ton mari devienne sincère, qu'il soit un fils de Dieu. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen, oh gloire à Dieu, je laisse une lettre d'amour. Oh, hallelujah. Amen, que Dieu soit loué. Amen. Bonjour, pasteur. J'ai une grande sœur qui souffre de l'hypertension transférée à l'hôpital de Mumbere. Je crois que si vous pourriez dire quelque chose, elle sera guérie. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi, démon de l'hypertension, quitte la sœur de mon frère et là où elle est, qu'elle soit totalement, complètement guérie et libérée de l'hôpital et qu'elle retourne à la maison. Totalement guérie et libérée. Que toi, hypertension, ne reviens plus jamais dans la vie de la sœur de mon frère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. 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 Gloire à son nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons le Seigneur et nous croyons en lui, qu'il est capable de tout et il peut tout faire pour sa propre gloire. Amen.
Que le Seigneur délivre ce frère de mauvaises pensées. Tu es délivré de mauvaises pensées, mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Là, maintenant, je vais prendre d'autres requêtes encore qui sont arrivées. Amen. On a terminé avec cela. Je prends des requêtes de prière qui peuvent être là. Voilà. Amen. Il dit, il lui demande la prière pour la vente de sa maison à Bounia, que Dieu accomplisse ses promesses sur lui, et que le livre de souvenirs s'ouvre pour lui, et que Dieu réalise ses promesses dans sa vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, visite ce frère qui vend sa maison là-bas à Bounia. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que les preneurs puissent être là, qu'ils achètent la maison. Et que les promesses que tu l'avais faites, Seigneur, accomplissent cela. Ouvre ton livre de souvenirs et la page de mon frère pour tout ce qu'il a fait pour ton œuvre, pour le ministère de tes serviteurs, le soutien et tout ce qu'il a fait pour les enfants de Dieu.